Bienvenue dans la dernière partie de cet iceberg consacré aux sites étranges. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder. Vous trouverez le lien vers la première partie en description. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons fait un véritable tour d'horizon des sites les plus inexplicables, les plus illuminés, bref, les plus étranges d'Internet. Pour cette dernière partie, nous allons nous consacrer à la partie sombre de cet iceberg. Car si certains sites, aussi originaux et cryptiques puissent-ils être, peuvent s'avérer dérangeants, ils n'ont finalement que peu d'emprise sur le réel. D'autres, si. Et certaines des histoires qui se cachent derrière sont bien réelles, et pour certaines d'entre elles, carrément macabres. C'est ce type de site que nous allons explorer ensemble dans cette dernière partie. Mais avant de plonger dans les profondeurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. GoodbyeWarden.com. GoodbyeWarden.com est un site dont l'intention est claire dès sa page d'accueil. 534 condamnés à mort ont été exécutés au Texas depuis 1982. Voici leurs dernières paroles. Vous l'aurez compris, cet étrange site est en réalité un recueil de dernières paroles de condamnés. Et il est assez fascinant de voir dans quel état d'esprit peut bien être quelqu'un dont la vie s'apprête à être ôtée. On y trouve des messages de repentance. Je demande pardon à la famille. Je n'avais aucune raison de faire ce que j'ai fait et je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. J'espère que vous pourrez terminer votre existence sans vivre dans la haine. Que Dieu m'accorde son pardon. Amen. Mais d'autres ont plutôt semblé mettre à profit leurs dernières paroles à l'encontre du staff, comme ce brave Joseph. Et comment ne pas citer le dénommé James, qui a opté pour un magistral « je sais pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il y aurait du monde. Holy !» Site suivant. LHOHQ.info. Avant de commencer, si vous avez envie de visiter LHOHQ.com, je préfère vous préciser que certaines de ces pages ne sont pas adaptées aux personnes épileptiques ainsi qu'aux mineurs. Je ne vous montrerai pas ici les pages en question, mais si vous comptez découvrir le site par vous-même, ce que je vous invite d'ailleurs à faire, vous aurez été prévenu. Tout a débuté par cette simple page où il est possible de lire « Le bureau de Laughing Horses est dédié à la confection de produits de haute qualité. Nos normes d'excellence vont de pair avec notre objectif d'amélioration constante de ces produits. Nous vous garantissons que nous plaçons notre vision entrepreneuriale au sommet de nos priorités. » Et ce message est reproduit à l'identique juste en dessous. Bon, cliquons sur Android. Ok, une page représentant une illustration ASCII où chaque ligne est en réalité composée de caractères différents, a priori incompréhensibles. Mais il y en a tellement que ça ne m'étonnerait pas qu'un lien ou un message caché ait été dissimulé quelque part. Bon, retournons à la page d'accueil et tentons la rubrique phonographe. Et bon, si vous doutiez de la bizarrerie de LHOHQ.info, eh bien ça devrait terminer de vous convaincre. Tout un tas de messages aléatoires allant de t-shirt à l'effigie de Barack Obama, 10$, ou encore quack quack quack. Ok, bon, utilisons de nouveau la Wayback Machine pour explorer ce à quoi ressemblait la deuxième version du site. Rien qu'à lire les titres, il semble assez clair qu'il y a un problème quelque part. Service client stratégique multidimensionnel, 4 dimensions dynamiques. Juste en dessous, une suite de lettres ne faisant aucun sens, et en cliquant sur la photo, on est directement dans le dur. À ce stade de la vidéo, vous devriez commencer à vous dire que je suis en train de vous présenter un énième site au contenu cryptique, aléatoire et anarchique. Et vous n'avez pas tort, mais dites-vous bien que ces deux premières versions du site n'étaient rien comparées à sa forme actuelle, apparue en 2022. La plateforme que je m'apprête à vous présenter est certainement l'un des plus longs tunnels d'Internet encore une fois. Un site sur lequel il est possible de se perdre pendant des heures et qui reste trop peu connu en France. Immergeons-nous donc pleinement dans la dernière version de cette curiosité numérique. Pour résumer, LHOHQ est un amas de théories conspirationnistes, d'images érotiques et de vidéos creepy. Le tout est étalé sur plus de 800 pages, et chacune de ces pages contient de gigantesques pavés de texte en filigrane. Au sein de ces palimpsestes numériques, il est possible de déchiffrer des noms de politiciens célèbres, mais également des adresses mail et numéros de téléphone qui semblent leur être attachés. Et d'après certains utilisateurs Reddit, il s'agirait bel et bien des réels numéros et mails de ces politiciens. Naturellement, la découverte de ces étranges coordonnées, mêlées aux textes conspirationnistes qui irriguent tout LHOHQ.info, a créé une véritable fascination pour cette plateforme. Assez rapidement, LHOHQ a été l'objet de tous les fantasmes et beaucoup semblent toujours persuadés que ce site serait en réalité une sorte de base de données
répertoriant diverses fuites de données gouvernementales. Une légende court également sur Twitter, selon laquelle en cliquant successivement sur les bons liens, il serait possible d'accéder à une partie cachée de la plateforme. Une section du site bien protégée des regards indiscrets où seraient stockées de réelles informations classées secret défense. D'autres pensent que LHOHQ.info est un honeypot, c'est-à-dire un site créé par le gouvernement américain pour attirer et recenser les individus déviants intéressés par ce type de théorie. D'ailleurs, un autre site du nom de ACDCA semble être connecté à LHOHQ. ACDCA est une base de données compilant également une grosse quantité de théories fumeuses, dirons-nous, confinant même parfois à la paranoïa. Naturellement, nous sommes sur YouTube et il m'est impossible de vous parler plus en détail de ce qui peut être trouvé sur cette plateforme, sinon la vidéo sauterait instantanément. Pendant presque 10 ans, LHOHQ.info a vampirisé une bonne partie de l'énergie des enquêteurs numériques, et une vidéo dédiée d'une heure ne suffirait pas à vous exposer tous les mystères que cache cet étrange site internet. Pour ma part, je pense que ce site n'est rien d'autre qu'un projet artistique, une sorte de musée numérique dadaïste où se côtoient l'ordre et le chaos, et où l'internaute sera le seul maître de son interprétation. Une chose est pourtant certaine, LHOHQ.info est bizarre, très bizarre. Et une fois de plus, j'invite les plus courageux d'entre vous à naviguer de lien en lien dans cet océan de folie mis à disposition sur LHOHQ.info. Les amateurs de tunnels. Il existe sur internet une communauté de gens vraiment passionnés d'exploration urbaine, qui documentent les infrastructures et tunnels laissés à l'abandon. Sur le web de surface ainsi que sur le deep web se trouve donc un vaste réseau de sites rendant hommage à ces créations architecturales oubliées. Mais intéressons-nous à une niche particulière d'amateurs d'urbex, ceux qui parcourent et documentent illégalement les tunnels à vapeur et de maintenance des universités américaines. On peut notamment citer cette plateforme, trouvée sur le deep web, et entièrement dédiée à l'exploration des tunnels situés sous Virginia Tech. Ce site expose, entre autres, une carte du réseau de tunnels qui ont déjà été explorés, des galeries qu'ils suspectent d'exister, ou encore celles qui restent encore à découvrir. Il y a également un autre site, qui traite plus spécifiquement des souterrains situés sous l'université de Stanford. Étrangement, ce site indique même les potentiels points d'entrée pour les tunnels de maintenance. Enfin, on peut également citer cet autre site, centré sur l'université de l'Ohio, qui montre concrètement à quoi ressemblent ces galeries souterraines. D'ailleurs, tous ces sites insistent lourdement sur le fait qu'explorer ces tunnels est une entreprise très risquée. Ils rappellent que premièrement, c'est illégal, et dans un second temps, ça peut être très dangereux. À titre d'exemple, le site de Virginia Tech prend la peine de préciser que les galeries souterraines sont pleines d'amiante, qu'il y a beaucoup de câbles électriques sans gaine de protection, des clous rouillés un peu partout, et qu'il fait parfois plus de 150 degrés Celsius dans certains tunnels à vapeur. En dépit de l'illégalité et de la dangerosité de ce type de pratique, une irréductible communauté continue à alimenter ces étranges sites, bien cachés dans les souterrains du web, c'est-à-dire le deep web. AngusNickNeven.com. AngusNickNeven.com est une expérience. Dès la page d'accueil de ce site, on ressent assez clairement l'obsession pour la géométrie et le côté non orthodoxe de cette plateforme. À chaque fois que l'on rafraîchit la page, l'accueil diffère quelque peu, mais globalement, son design ressemble toujours à ça. En cliquant sur cette inscription, le message déroulant change subitement pour nous inviter à ouvrir une porte, et les mots « hôtel », « connexion terminale » et « sacrifice » s'affichent en bas. Par la suite, pas mal de choses se sont passées. Laissez-moi vous montrer.
Les textes affichés étaient difficiles à lire, mais voici ce qui était inscrit en fond. Je suppose que vous pouvez dire que nous avons échoué. En effet, nous avons échoué dans tellement de domaines que nous avons même réussi à gâcher la mort. Ce n'est même pas sûr que ça nous garantisse la libération. Du moins, pas maintenant. Nous n'avons pas compris comment manipuler les plis. Les autres ont dû comprendre. Au moins, eux peuvent continuer le combat. Mais qu'avons-nous accompli? Que nous reste-t-il? Mais nous, les imbéciles, qu'avons-nous fait de bon? Difficile à dire. Les mots sont coincés, ensevelis sous nos réalisations. En tout cas, nous avons encore pas mal de visiteurs. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Vous devez être assez stupide pour être ici, même si ça ne me surprend pas beaucoup. Les terminaux s'en occuperont. J'entends par là attirer des choses. Ils s'appellent à l'aide. Ils s'appellent à l'aide les uns les autres. Et ils sont tous ici en train d'attendre. Morts, mais à peine capables de rester en dehors de la vie. Seul Kos les retient. Mais même ça, c'est juste... Bon, je vais vous laisser avec une petite réflexion. Et s'il ne s'agissait pas de les détruire, mais de les convertir? Une réflexion inconfortable, mais quoi d'autre pourrait expliquer cette étrangeté? Se démener autant pour... Même les terminaux, tels qu'ils étaient, ne pouvaient pas faire une chose pareille. Une autre question, voyageur imprudent, dans quel but as-tu été amené ici? Bon, c'était intense. Rendons-nous maintenant sur le lien intitulé FAQ, pour tenter d'en apprendre davantage. Sur cette page, le créateur de ce site, qui se fait appeler Angus, explique assez longuement que cette plateforme n'a pas de finalité propre en soi, mais lui permet de mettre en avant certaines de ses compétences. D'abord, Angus se définit comme étant un auteur, et considère ce site comme un recueil numérique. Angus semble d'ailleurs travailler principalement sur le concept de cauchemar, ce qui explique l'esthétique dérangeante de son site. Mais ce qui est vraiment fascinant avec angusnicknaven.com, c'est sa complexité. Je ne vous ai quasiment rien montré de ce site, qui est tout simplement tentaculaire. Plus de 300 liens cachés ont été recensés à ce jour, et beaucoup d'entre eux renvoient vers d'autres plateformes cryptiques, d'une manière ou d'une autre liées au site d'Angus. Je vous invite donc réellement à aller explorer angusnicknaven.com, car c'est une réelle expérience narrative, auditive et de web design. Insecam.org. Insecam.org est un site qui permet d'accéder à des caméras de sécurité situées aux quatre coins de la planète. En arrivant sur le site, il est possible de lire ce message. Bienvenue sur le projet Insecam, le plus grand annuaire mondial de caméras de surveillance. Sélectionnez un pays pour regarder en live la rue, la circulation, les parkings, des bureaux ou encore des plages. Vous y trouverez des Axis, Panasonic, Sony, Foscam et bien d'autres caméras fixes accessibles sans mot de passe. Cela signifie donc que si vous avez des caméras de sécurité qui viennent de ces sociétés, il y a des chances que quelqu'un puisse y accéder sur Insecam. Enfin, pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait pas de mot de passe. Mais le problème, c'est que pendant des années, il fallait activer le mot de passe après l'installation de la caméra. Ce que personne ne prenait le temps de faire. Simplement parce que bien des gens n'ont pas conscience de l'existence de sites comme Insecam.org. Sur le site, il est possible de sélectionner la marque de caméra que vous voulez espionner et tout un tas de choix s'offrent à vous. De la même manière, vous pouvez même choisir la ville ou le pays. Si vous avez une folle envie d'épier le hall d'un hôtel situé à Sotchi en Russie, une rue totalement banale ou encore des oiseaux en France, ce site est fait pour vous. Dans la section FAQ du site, il nous est expliqué que seules les caméras de surveillance y sont répertoriées. Il précise également que techniquement, ces caméras n'ont pas été hackées, car tous les appareils recensés sur le site n'ont pas de mot de passe pour les protéger. Donc une fois de plus, si vous avez des caméras de surveillance ou autres babyphones, je vous conseille de vous renseigner très rapidement sur les paramètres de sécurité de vos appareils. Site suivant. Planecrashinfo.com.
Plane Crash Info est un site répertoriant tous les crashs aériens se produisant autour du globe. Si un avion s'écrase, vous pouvez être certain qu'il sera répertorié sur ce site. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les informations présentées sur cette plateforme sont précises. Numéro de vol, référence des compagnies, nombre de victimes, raisons techniques ou humaines, localisation de la carcasse de l'avion, tout y est méticuleusement archivé. Il est notamment possible de consulter une page consacrée aux accidents étranges et inhabituels, où on peut notamment apprendre qu'un jour, un passager a frauduleusement apporté un crocodile dans l'avion, qui s'est bien évidemment échappé, ce qui a créé un mouvement de panique dans l'appareil, conduisant à la perte de son équilibre et donc à son crash. Mais la partie la plus bizarre de ce site reste sa section Last Words, dédiée aux dernières paroles prononcées par les individus présents sur ces funestes vols. En effet, les boîtes noires des avions enregistrent tout, que ce soit le micro et le casque du pilote, mais également l'intérieur du fuselage de l'appareil. Mais compte tenu de la nature carrément glauque des enregistrements, et que la phobie de l'avion est assez répandue, je vais vous épargner ça. Mais sachez que tout est disponible sur ce site. Allez, élément suivant. fifthsnail.blogspot.com. FifthSnail, ou le5e clou.blogspot.com, évoque une théorie selon laquelle le Christ était supposé avoir été crucifié avec 5 clous, et non 4. D'après les traditions orales de la communauté tzigane, ce 5e clou avait pour vocation à être enfoncé dans le cœur de Jésus, et aurait été caché au dernier moment par un membre de cette communauté aux soldats romains. Le fait d'avoir caché ce dernier clou, bien que partant visiblement d'une bonne intention de la communauté tzigane, aurait entraîné la colère de Dieu, car ce petit tour de passe-passe n'aurait fait que prolonger les souffrances du Christ. Depuis lors, Dieu aurait maudit cette communauté, la poussant ainsi à opter pour un mode de vie nomade afin d'échapper aux sanctions du Créateur. Après quelques rapides recherches, il ne semble pas que ce mythe ait la moindre bribe de vérité historique, mais la personne derrière ce blog semble pourtant en être intimement persuadée. Bon, là vous devriez être en train de vous dire, mais pourquoi parler d'un blog qui traite simplement de cette théorie sans grand intérêt à ce moment-là de l'iceberg? Eh bien, je ne vous ai pas tout dit. Alors oui, fifthsnail.blogspot parlait un peu, au début de sa mise en ligne, de ce fameux 5e clou. Mais ce blog est avant tout le journal de bord d'un dangereux psychopathe. En effet, la personne derrière ce blog n'est autre que Joseph Duncan. Un Américain né en 1963 et auteur d'un bon nombre de meurtres particulièrement barbares et sadiques. En ligne depuis 2004, les différents posts de ce blog décrivent le quotidien de condamné à résidence de Joseph. Au travers ces courts textes, il est possible de s'immerger dans l'esprit de ce dangereux déséquilibré, niant toutes les accusations formulées à son égard et totalement paranoïaque. S'il a malheureusement existé un bon nombre de criminels qui tenaient des journaux de bord en ligne, Joseph Duncan est sans nul doute le plus prolifique d'entre eux. Plusieurs de ses posts traitent de ses questionnements intérieurs, comme celui-ci, où il est simplement indiqué que « le seul remède au crime est l'amour, tout le reste est un crime supplémentaire ». Plus les années passent et plus Internet évolue, les blogs ont aujourd'hui laissé leur place aux réseaux sociaux, et ces nouvelles plateformes de sociabilisation regorgent elles aussi de ce type de journaux intimes macabres. Le blog de Joseph Duncan, bien qu'insoutenable par moments, surtout lorsque l'on met en perspective les dates de ses posts et de ses abominables crimes, nous apprend cependant que certains esprits malades ne se soucient pas toujours de cacher leur vraie nature. Cannibal Café. Bon, là on est vraiment dans le très très sombre. Vu le nom de cette nouvelle entrée, vous devriez avoir compris de quoi on va parler. Cannibal Café était un forum, bien caché dans le deep web, où se retrouvaient des gens intéressés par le concept de cannibalisme. Et vous savez ce qu'il se passe bien souvent sur les forums. Après avoir beaucoup échangé en ligne, il semble normal de vouloir franchir un cap et d'organiser des rencontres IRL avec la communauté de passionnés. Quand ce sont des amateurs de randonnée, de bateaux ou encore de jeux de société qui se retrouvent pour partager leur passion, ça peut donner lieu à de bien belles rencontres et d'excellents moments. Mais quand ce sont des passionnés de cannibalisme qui décident de se faire une petite rencontre IRL, le résultat est bien moins joyeux. C'est justement en 2001 que le reste du monde a appris l'existence de ce forum, quand Armin Meiwes, un informaticien allemand d'une quarantaine d'années, a publié une petite annonce assez singulière sur la plateforme. La requête d'Armin était relativement simple, trouver un volontaire pour passer à la casserole, littéralement. Un autre ingénieur allemand, dénommé Bernard Jürgen, lui aussi habitué du Cannibal Café, accepte l'invitation d'Armin. Et puis bon,
Je ne vais pas vous détailler trop en détail ce qu'il s'est passé chez Armin, mais disons simplement qu'après avoir eu une relation charnelle des plus classiques, les deux hommes ont décidé de rédiger un contrat. Un contrat un peu étonnant en ce que l'objet de cet accord portait sur le fait que Bernard souhaitait se faire découper les parties génitales et qu'Armin Meiwes, chargé de la cuisson, se devait de concocter un petit plat pour que les deux hommes puissent se faire un festin de roi. Le problème, enfin un des très nombreux problèmes de cette histoire, est que les deux hommes étaient ingénieurs, et non chirurgiens ou même cuisiniers. Armin, chargé de la préparation de cet étrange plat, aurait finalement fait brûler la préparation, tandis que Bernard se vidait de son sang. Naturellement, on ne reste pas bien longtemps avec une telle hémorragie, et pour résumer, disons que Bernard a terminé au congélo tandis qu'Armin filmait et photographiait l'ensemble de cette soirée macabre. Une année plus tard, Armin posta une nouvelle annonce sur le forum, toujours dans le but de trouver une victime consentante. Cette fois-ci, un internaute a décidé de contacter la police pour qu'une enquête soit ouverte. Assez rapidement, Armin a été arrêté, et au terme de longues années de procédure, reconnu coupable du meurtre de Bernard Jürgen, et condamné à passer le reste de son existence en prison. Et, détail étrange, en prison, Armin a déclaré être devenu végétarien. Maguibon.com. Bon, c'était intense. Et j'imagine qu'il va falloir un peu de contexte pour tenter de comprendre ce qu'on vient de voir. Margaret Lillian Adams, plus connue sous le nom de Maguibon, a commencé à publier des vidéos sur YouTube en 2006. Sa première vidéo, intitulée « Moi ne faisant rien », allait être le point de départ d'une série de plus de 100 vidéos sur lesquelles Maguibon ne fait, eh bien, absolument rien. D'une manière assez surprenante, le succès fut au rendez-vous, et seulement 4 ans après avoir lancé sa chaîne, Maguibon était suivi par plus de 100 000 personnes. Ses vidéos comptaient plusieurs millions de vues et de nombreux internautes se mirent à critiquer ce succès, ne reposant absolument sur rien. Comme bien souvent dans les commentaires ou sur les forums, de nombreux trolls ont organisé des opérations de harcèlement à l'encontre de la jeune femme, ce qui n'empêcha d'ailleurs pas Maguibon de gagner en notoriété, et c'est en 2008 que la popularité de la jeune femme atteint son paroxysme. Maguibon, qui résidait alors au Japon, fut contacté par des chaînes de télévision japonaises pour proposer des programmes centrés sur sa personne. À ce moment-là, Maguibon était une réelle star planétaire, et tous les médias voulaient en savoir plus sur la jeune femme silencieuse la plus regardée de la planète. Mais malheureusement, le conte de fées allait bientôt s'arrêter pour Maguibon. En effet, à cette époque, la jeune femme avait un étrange stalker qui semblait visiblement obsédé par sa personne. Quelques temps plus tard, un utilisateur anonyme dénommé Frank a créé un site dont l'URL était maguibon.com. Maguibon.com est, comme son nom l'indique, un site consacré à Maguibon. Le site est d'apparence très sobre, et il n'y a pas grand chose d'autre à voir que les vidéos. Regardons la vidéo suivante. Oh,
Sur ces vidéos, on peut facilement confirmer le fait que le dénommé Frank nourrit une obsession malsaine pour Maggie Bond. Et puis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ce type de vidéos, à l'esthétique sombre et au montage saccadé, sont très répandues. Mais en 2008, c'était plutôt inhabituel. Aujourd'hui, lorsque l'on tombe sur ce type de vidéo sur un site ou une chaîne YouTube semblant sortir de nulle part, on sait inconsciemment qu'il s'agit là d'un jeu en réalité alternée ou d'une œuvre de fiction amateur qui tente de brouiller la frontière entre le réel et l'imaginaire. Mais en 2008, la crédulité ambiante était bien plus intense et une véritable panique commença à apparaître dans la communauté de Maggie Bond. Margaret fut naturellement alertée de l'existence de ce site, mais prit le parti de l'ignorer afin de se consacrer pleinement à l'essor de sa carrière. Mais en 2014, Maggie Bond cessa brutalement de publier des vidéos et disparut, toujours sans un mot des réseaux. Et là, normalement, vous devriez être en train de vous demander ce qui a bien pu lui arriver. A-t-elle fait un burn-out? Est-elle morte? Eh bien non, elle n'est pas morte. Visiblement, elle est même toujours active sur Instagram. Et d'après ses photos, elle s'est mariée et semble très bien se porter. Ok, mais du coup, qui est Frank? Et surtout, pourquoi avoir fait ce site? Après de rapides recherches sur Reddit, il est possible d'apprendre qu'en réalité, Frank ne s'appelle pas du tout Frank. Ce serait un étudiant en art digital dénommé Joachim Danung. D'après les propos rapportés, Joachim souhaitait simplement faire une sorte d'expérience sociale sur les visiteurs du site, sans plus de détails. Mais pour ma part, j'imagine que Joachim a tenté d'expérimenter le cybersquatting, c'est-à-dire d'utiliser un nom de domaine reprenant un nom ou une marque connue pour augmenter le trafic sur sa plateforme. Et s'il n'y a au final pas de fanatique à tendance psychopathe derrière cette histoire, MaggieBond.com méritait d'être cité dans cet iceberg, car d'une certaine manière, ce site est le précurseur de tous les jeux en réalité alternée que l'on retrouve aujourd'hui sur YouTube. Et son esthétique, réellement novatrice pour l'époque, a inspiré un très grand nombre de vidéastes désireux de raconter autrement des histoires. Rotten.com. Personne n'a jamais mieux résumé l'esprit Rotten que Rotten lui-même. Quand l'enfer sera plein, les morts marcheront sur terre. Le mal à l'état pur depuis 1996. Prière de tirer la chasse. Proclamait la fameuse bannière du site mainstream le plus trash de l'histoire numérique. Rotten.com était un véritable pot pourri d'images déplaisantes qui ont immanquablement secoué les curieux en recherche de sources de traumatisme. Rotten, c'était des images choquantes, car sans trucage. Difficile de vous montrer ici les photos les plus iconiques de cette plateforme, mais sachez simplement que se côtoyaient des photographies d'autopsie, d'individus atteints de graves malformations physiques, et des vidéos montrant des gens perdre la vie de manière différente. Ironiquement, aujourd'hui, c'est Rotten.com qui est mort. Mais la disparition de cette plateforme iconique n'est pas liée aux nombreuses enquêtes gouvernementales dont elle a été l'objet. Ni les mises en demeure, ni les pétitions n'ont eu d'impact sur Rotten.com. Si le site est aujourd'hui disparu, c'est pour d'autres raisons. Mais avant de parler de sa disparition, intéressons-nous à son point de départ. Dès ses premières années, Rotten a revendiqué une mission claire sur sa section About, démontrer activement que la censure d'Internet est incommode, contraire à l'éthique et délétère. C'est ce passage du Communications Decency Act, un texte destiné à combattre des concepts aussi vagues que l'indécence et l'obscénité sur Internet, qui a convaincu Thomas Dell de lancer le site en 1996. Il avait acheté le nom de domaine Rotten.com quelques mois plus tôt parce qu'il le trouvait amusant. À l'époque du lancement de Rotten.com, Thomas Dell commençait un nouveau travail de développeur chez Netscape, après avoir passé près de 5 années chez Apple. L'étrange et le macabre l'attiraient depuis toujours. À 30 ans, il avait déjà passé une décennie à collectionner des images et des livres douteux. Interviewé par Salon en 2001, il a déclaré qu'il avait d'abord uploadé des photos marrantes sur son site. Ces images fondatrices sont désormais perdues, mais elles ont manifestement plu. Quelques mois seulement après sa naissance, le site est devenu si célèbre qu'Howard Stern invita Thomas Dell à l'antenne. Après l'annulation du Communications Decency Act par la Cour suprême des États-Unis en juin 1997, Dell a choisi de garder Rotten.com en vie pour, je cite, qu'il serve de refuge à une forme plus controversée de liberté d'expression. Qu'elle ait été sincère, bien commode ou un peu des deux, cette vocation l'a conduit à déclencher un scandale mondial. En 1997, quelques jours après la mort de Lady Diana, Rotten.com a publié la photographie d'un corps enfoncé dans une carcasse de voiture sous la légende « Mort d'une princesse ». Un portrait de Diana barré par une empreinte de pneu accompagnait le tout.
Dans un article publié le 19 septembre suivant, l'équipe de Rotten s'amuse des réactions horrifiées de la presse internationale. En dépit du fait qu'il n'était pas authentique, le cliché avait eu droit à des articles dans plusieurs grands quotidiens, notamment le New York Times. Quel intérêt peut-on avoir à diffuser un document aussi néfaste ? Avait alors demandé un journaliste de l'AFP. Pour des raisons politiques, pour faire réfléchir les gens et pour les énerver, avait répondu Rotten.com en renvoyant au manifeste anti-censure qu'il avait publié au mois de mai précédent. Au sein de ce manifeste, on peut d'ailleurs lire « Pour censurer ce site, il est nécessaire de censurer des textes médicaux, des textes historiques, des salles de preuves, des musées, des tribunaux, des bibliothèques et toute source d'informations essentielles au fonctionnement de notre société. » Certaines de nos images peuvent être offensantes, mais cela n'a jamais été un crime. La vie est parfois offensante, et vous devez vous attendre à ça. Les deux spin-offs de Rotten les plus mémorables ont ouvert en 2003. Le premier, Rotten Deadpool, propose aux internautes de parier sur la mort de célébrités. Le second, Rotten Library, était une encyclopédie en ligne, dédiée à la préservation de tout ce que l'humanité s'était promis d'oublier, du point le plus bas que nous ayons atteint au pire de ce que nous sommes devenus. Thomas Dell a vraisemblablement rédigé la plupart des entrées de ce trésor d'Internet, conservé par la grâce de l'Internet Archive. Au milieu des années 2000, au sommet de sa gloire, le consortium Rotten comptait au moins une vingtaine de sites. À en croire sa FAQ, Rotten.com lui-même accueillait alors plus de 250 000 visiteurs uniques quotidiennement, ce qui était plus que le New York Times à la même époque. Alors bien sûr, on ne se fait pas un nom en publiant des clichés de tumeurs exotiques sans se faire quelques ennemis. Thomas Dell se faisait un plaisir de publier les lettres de mise en demeure qui étaient adressées à Rotten. L'entreprise Coca-Cola, qui souhaitait faire retirer la photographie d'une bouteille de soda qui se trouvait dans une partie très inhabituelle du corps d'un jeune homme, le fabricant de jouets Mattel pour réclamer le nom de domaine Mattel.com, acheté et cybersquatté à des fins de redirection malicieuse par Rotten.com, mais aussi des requêtes bien légitimes de familles horrifiées de voir des clichés de leurs proches décédés sur Internet. Dans les quelques interviews qu'il a données du vivant de Rotten.com, Thomas Dell a toujours justifié l'existence de son site par le droit à la liberté d'expression. « La vie est parsemée d'horreurs, et je ne vois aucun problème à les concentrer en un point », affirmait-il à Salon en 2001. « Si vous voulez, nous pouvons aller dans des librairies et trouver des images de corps sans vie pour vous. C'est très facile. Il n'est pas possible d'écrire une loi qui rende illégal l'affichage de ce genre de choses, même pour les mineurs. C'est une pente bien trop glissante pour être empruntée. » Mais en octobre 2017, après presque 20 ans à proposer des images traumatisantes à ses spectateurs, Rotten.com disparut aussi subitement qu'il était apparu, vraisemblablement pour des raisons techniques. Et bien que Thomas Dell ait précisé que Rotten.com serait rapidement de retour, cela fait presque 5 ans que le site n'est plus accessible. Allez, site suivant. Evansgate.com. On arrive enfin à la dernière entrée de cet iceberg. Si vous êtes encore là, je vous remercie, et je vous garantis que ce dernier site ne va pas vous décevoir. Dans la première partie de cet iceberg, je vous ai parlé de l'internet des années 90, et de sa nébuleuse de sites colorés et manifestement à l'abri de toute censure. Evansgate.com est en ligne depuis le début des années 90, maintenu ponctuellement à jour jusqu'à aujourd'hui, et ce, en dépit du drame dont il a été la cause. Evansgate était une secte principalement connue pour la tragédie orchestrée par son leader en 1997. Au début des années 90, un leader aussi charismatique qu'illuminé a réussi à convaincre 38 personnes de sauter la vie en même temps. Son nom, Marshall Applewhite. La promesse faite par Marshall était qu'en se sacrifiant, les fidèles pourraient accéder à une nouvelle étape de l'existence, dénommée Tella. Avant de rejoindre Tella, l'âme des fidèles devra voyager à bord d'un vaisseau qui passera au-dessus de la Terre, bien caché derrière la comète Hale-Bopp. Hale-Bopp est considérée comme la comète la plus observée du XXe siècle et l'une des plus brillantes vues depuis des décennies. Découverte le 23 juillet 1995, elle devient visible à l'œil nu en 1996. Mais cette même année, Internet commence à prendre, de mois en mois, une importance croissante dans les sociétés occidentales. De nombreux sites web font alors le point sur l'évolution de la comète, et comme la lumière intense qui s'en échappe est inhabituelle, de très nombreuses théories, plutôt pessimistes pour l'avenir de l'humanité, commencent à se répandre. Le 9 mars 1996, la comète est même visible en plein jour depuis la Chine, la Mongolie et la Sibérie en raison d'une éclipse solaire.
Et c'est également pile à cette époque que des photographies et vidéos peuvent être uploadées sur des sites. Et à la vue de cette boule lumineuse visible en plein jour et semblant s'approcher de la Terre, un vent de panique sans précédent secoua le monde. Et comme toujours, principalement les États-Unis. Vous l'aurez donc compris, Marshall Applewhite a instrumentalisé cette peur pour recruter des individus terrifiés, afin de les convaincre qu'en réalité, un vaisseau se cachait derrière cette comète, précisément pour les sauver de la fin du monde. Mais pour ça, ils allaient devoir libérer leurs âmes en quittant leurs enveloppes charnelles. Comme bien souvent, Marshall Applewhite contraignait les membres à couper tout contact avec leurs proches, de lui donner toutes leurs possessions matérielles, de rester soumis au grand leader, etc. Il leur enseignait également que Dieu est un extraterrestre, que la fin du monde est proche, que l'âme ne fait au final que voyager dans un véhicule de chair que l'on appelle un corps. Bref, toutes les idioties habituelles que l'on retrouve au cœur des mouvements sectaires les plus radicaux. Applewhite précisait également aux indécis que s'ils décidaient tout de même de rester sur Terre, ils devraient alors affronter des armées de démons venus détruire l'humanité, qu'ils nommaient les Lucifériens. Malgré tout, en mars 1997, l'entièreté des membres de cette secte se sont ôté la vie en s'empoisonnant, tous vêtus de jogging noir et du même modèle de basket Nike. En faisant ça, ils ont montré leur volonté de libérer leurs âmes, et ce, afin de rejoindre un vaisseau qui les mènera à un paradis infini. Mais plus concrètement, ce sera après un appel anonyme que la police découvrira la quarantaine de corps. Hello. Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay, this is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. Evansgate est sûrement une des sectes les plus célèbres. Mais à bien observer ce site, il est possible d'affirmer qu'Evansgate est également l'un des premiers, si ce n'est le premier phénomène de cybersectarisme de l'histoire. Je ne sais pas vous, mais le fait que ce site soit toujours actif de nos jours me fascine et me terrifie en même temps. Le drame survenu en 1997 est clairement le fruit d'un long et méticuleux lavage de cerveau. Et ce site a clairement été un vecteur de premier ordre dans la diffusion de cette idéologie farfelue. Ces 38 individus qui ont décidé de s'enlever la vie resteront donc dans l'histoire comme les victimes consentantes d'un génie du mal, ayant utilisé Internet à l'époque où les autorités regardaient ailleurs. Mais aujourd'hui, il est toujours possible d'accéder à la base de données de ce terrible mouvement. Un enquêteur numérique a utilisé, il y a quelques années de cela, l'adresse de contact fournie sur le site, dans l'espoir de découvrir pourquoi Evansgate.com était toujours mise à jour. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il a très rapidement reçu une réponse des administrateurs du site. L'utilisateur leur a alors demandé ce qu'il faisait là, alors que tous les fidèles étaient supposés être sur Tella. L'administrateur lui a alors répondu que les membres restants se devaient de prêcher la bonne parole et de faire en sorte que toutes les informations sur Evansgate soient disponibles pour leur retour. Après quelques recherches, il semblerait que les personnes actuellement derrière le site soient Mark et Sarah King, deux des membres originaux de la secte restés sur Terre. À l'instar de son site internet, il semblerait donc que la secte d'Evansgate existe encore. Espérons simplement que la précédente mise à jour de ce site soit la dernière, et que cette cybersecte disparaisse enfin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne vous cache pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet iceberg et à vous proposer cette petite séance d'archéologie numérique. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo, parce que ça aide vraiment beaucoup pour le référencement. Et comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.